Promis, tout à l'heure on sera en direct avec vous depuis l'hélico qui suit cette troisième édition de la Lesanica Trail. Ici, l'arrivée depuis le couvent, il est juste devant nous, le couvent Saint-François. Et puis bien entendu, puisqu'on parle du couvent Saint-François et du couvent d'Alezagne, on aura une pensée pour notre ami, le père Olive Tayadzouk, qui était ici pendant de nombreuses années et avec qui on avait fait, avec François Corse-Viastel, avec qui on avait fait de nombreux reportages dans la région, qui était un passionné de sa région et qui était surtout quelqu'un de très humain. Ça n'empêche qu'ici, la course continue. Regardez, les gens de la marche, comme on l'appelle, sont en train d'arriver. Les gens de la petite boucle, alors ça me fait rire quand on dit la petite boucle, bah, c'est quand même 11-12 km, ils sont arrivés. Paul Simon, bah, ça tombe bien, on a vu l'hélico partir. Ouais. J'ai dit que tout à l'heure on irait faire un petit tour en hélico pour montrer aux gens le parcours, c'est plutôt sympa. Ouais. Les gens de la 11 sont toujours en train d'arriver? Oui, la 11, et là on attend le premier de la 30 qui va pas tarder. Ouais. On a... La première féminine. C'est qui la première? C'est vrai, la première féminine de la 11 est arrivée. Alors, et on ne l'a pas encore interrogée. C'est qui la première féminine? Tchekal, je crois qu'elle est... Ah, maintenant, tu ne loupes pas, hein, c'est Paul Simon. Oui, attends, je ne sais pas où elle est. Pendant que Paul Simon cherche la première féminine, moi, j'en profite pour dire tout le bien que je pense des charcuteries Alphonse et du fromage. Et attends, on ne va pas se faire... On va pas se gêner. Charcuterie, fromage, si vous passez dans la région, montez à Pirigadio, c'est... Voilà. Ça se raconte pas, ça se déguste. Voilà. Trouve-moi Tchekal, toi. Oui, je vais trouver la première féminine. Allez, et puis, on est en direct, alors, t'inquiète pas, on y va. Hein. Je vais la trouver si je la trouve. Attends. Tiens, pendant qu'on cherche, je vous rappelle bien entendu qu'on est en direct sur Facebook et que vous pouvez réagir. Alors, qui réagit? Alors, qui on a? On remonte. Coucou, bonjour la Corse, Pascal, bonjour. Vous êtes où? Giacometti Noël. On est où? On est au couvent d'Alezagne, on est en Castagnitz, on est dans la plus belle région du monde. Évidemment. Voilà, ça c'est évidemment, fait. Enfin, ouais. Commune de. De Piezzale. De Piezzale. Oui. Ouais, bon, on n'est pas très loin de Périgage. Périgage aussi. Et si Noël voulait venir, il y a de quoi se restaurer sur place. Merci de penser à Fradage, Marilus Giacometti. Merci Marilus. Bonjour à vous, Jean-Luc. Bonjour la Corse et les Corses, nous dit Lina. Célia, continue de chercher toi. Oui, cherche la première féminine. Mais... Myriam, voilà. Forza Thierry Pisto, Casanova. Julie qui nous fait des coucous. Sophie qui nous fait des coucous. Alice nous dit le top. Malika nous dit bonjour. Bonjour Malika. Et oui, on connaît le bon, comme disait Sylviane. Et tu me dis que tu l'as trouvé. Oui. Elle est où? Elle est là, elle se fait soigner là, je crois. Ah tiens, puisqu'on parle de se faire soigner, on avait dû, durant notre direct, quelqu'un qui avait été blessé à la tête. On l'a vu tout à l'heure. Ouais. Alors c'est vrai que c'était très très impressionnant parce que la tête, ça saigne. Ça saigne, oui, de tout de suite. Mais que les choses soient bien claires, on l'a vu, on lui a parlé, on lui dira peut-être bonjour tout à l'heure. Mais il va bien, il a son petit pansement et il va très bien. On va aller l'embêter, c'est elle? Son prénom, son nom? Je ne sais plus maintenant. Vous êtes... Tchekal? Oui. Ah, je vais m'asseoir. Bonjour. Ah. Ah, on n'est pas bien là. On est super bien. Bon, pour info, on est en direct. Hein. Oh là là. Ouais. Non, mais j'ai un moustique dans l'œil. Oui, c'est pour ça qu'elle pleure, elle a un moustique dans l'œil. Nom, prénom? Tchekal Dilorian. Et en l'occurrence, aujourd'hui, tu es la numéro 1 sur la petite boucle. C'est ça. 11 km. C'est ça. Tu l'as fait en 1 heure. 1 heure. 51. 1h51 minutes et quelques secondes. Allez, 12 secondes. On a parlé du début de la course. Il paraît que la première montée, elle peut faire mal un peu. Très très mal. oui, très très mal. Elle brûle direct un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort au début. C'est direct, paf, on attaque. Non, au début, au début c'est... Ouais, et après... 2 km et après, ça monte bien. Pendant bien. Pendant, je sais pas, mais... Franchement, je sais pas. Mais... Tu es partie d'un club? Non. Indépendante? Indépendante, c'est ça. Première fois que tu viens ici? Oui, première fois. Et comment ça t'a pris? Un matin, tu t'es dit tiens? Non, je fais tous les trails qui sont dans la région. Tu es d'où, toi? De Bastia. D'accord. Au Metz, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Ah, mais je l'avais pas vu. Oui. J'y étais. Je l'avais pas vu. Et mais j'ai fait troisième. Parce que la première féminine, c'était pas toi. Elle était prise. Non, c'était deuxième ou troisième, je sais plus maintenant. Troisième, je crois. Le prochain? Le prochain, ce sera Roudali, le 24 Roudali. Juin, ouais, c'est ça. 24 juin, Roudali, Laurent Simon-Paul, hein, on pourrait peut-être passer. Voilà. C'est une région que tu affectionnes particulièrement. Oui, le trail de la mémoire, c'est vrai, avec malheureusement le souvenir de cet accident d'hélicoptère qu'il y avait eu, je suppose.
un commentaire, allez. Quand on finit première comme ça. Très belle course. À un mur et très dur. J'ai envie de mourir. Non, ça va. Non, c'est parce que j'ai très mal à l'œil. Ça se voit pas, hein. Mais pourquoi on se maquille avant de faire un trial? Non, je me maquille tout le temps. Non, mais parce qu'il y a du rimmel qui coule dans le. Du coup... Mais enfin, mademoiselle, on se maquille pas avant de faire un trial. Mais oui, moi je suis tout le temps maquillée. Il faut toujours être belle même quand on fait un trial. Bon, tu as récupéré un peu, tu as bu, tu as mangé. Ah oui, ça va, ça va. Ça va. On va te laisser tranquille. Comme vous voulez. Toi de revenir. Je dis bonjour à nos amis internautes. S'il y a quelqu'un qui te suit, on en profite. Salon de Provence nous dit bonjour, c'est Christine. Il y a Giacomette Noël qui dit merci pour l'info. Sophie qui nous dit trop hâte de revenir en Corse. Françoise qui nous dit bonjour. Mika qui nous dit bonjour. Merci pour ce direct avec nous, dit Noël. Bonne journée à vous. Je suis là pour la journée en votre compagnie. Jeanne, ben c'est gentil, Jeanne. Fromage et charcuterie du centre de la Corse, bien sûr, Sylviane. Arthur Martin nous dit bonjour, Jeanne-Marie aussi, Amandine aussi, et Edith aussi. Et toi, bien entendu, tu es sur Facebook. Oui. Et tu vas partager ce direct dans 30 secondes. Pas de souci. Tu es obligé. Sinon, je reste à côté de toi. Mais juste. J'ai pas mon téléphone. Mais on va te le trouver, ton téléphone. Allez, on rappelle son nom, son prénom. Cheka Dilorian. Et ça a été la première féminine. Elle a fait ça en 1h50 à la louche. Elle a l'air un peu crevée, mais elle s'en sort bien. Oh, toi, ouais. Tu l'as fait, le 11 km en entraînement. Oui, oui. Tu l'as fait en... Un peu plus qu'elle, quand même. Un peu plus qu'elle. Oui. Est-ce que tout à l'heure, il y avait le monsieur qui a été blessé, on l'a vu, avec son petit... on va voir s'il est toujours là-bas. Mais il se porte très bien. Hein. Oui, oui, il n'y a pas de souci pour ça, ne vous inquiétez pas. Il se porte bien. Il est en pleine forme. Là, on voit les gens qui arrivent. Ça, c'est quoi? C'est mélangé un peu? La 11 non, et... Non, il n'y a que la 11 pour l'instant. Et la marche? Et la marche, oui. Voilà, la 11, c'est mélangé 11 et marche. L'arrivée de la 31 km, ça sera dans 5-10 minutes maximum. On guette l'arrivée du premier. Eux, ils peuvent nous dire dans combien il arrive? Non. Qui peut me donner l'info? Alors, il faut allumer la radio. Allume la radio. Je crois que j'ai paumé le canal. Donc, possiblement Alphonse qui nous avoue qu'il a paumé le canal. C'est bien. Bonjour à tous, belle journée, nous dit Rose, tata de Jean-Jérôme Delsol. Ben, Rose, tata de Jean-Jérôme, qui est un de nos monteurs. Baume de Venise, VTT dans les dentelles, Hélène, bienvenue à cette championne. Merci Hélène. Bonne chance, nous dit Mika. Et Michael nous dit, elle est trop jolie. On lui dira. Alors, voilà, Michael. Lorian Tchekal dit Anne Favier et Aurore Valar. Voici notre top 3 des féminines de il est toujours là. Boucle des 12 km. Bravo. Je prends le commissaire de course. Premier est 31, il est dans combien? Dans très peu de temps, moi, 5 minutes, je pense. Mais là, tu es à fond, vas-y. David, il est à fond. Hein. Là, on ne peut plus choper, là, c'est bon. J'ai essayé de le choper, alors il m'a dit qu'il va arriver maintenant. On essaye d'y aller? Écoute, on va s'avancer sur le chemin, on va se mettre un peu au frais, parce que... Le médecin est appelé à la sono, par avance, merci. Alors, si vous entendez, le médecin est appelé à la sono, c'est juste parce qu'il y a des gens qui ont besoin de reprendre leur air. Il n'y a rien de grave, maintenant tout le monde s'inquiète. L'arrivée, c'est là, on le fait... Oui, on va s'avancer sur le chemin. Bon, qu'il ne nous fasse pas le coup du premier de la 12, hein. Non. À l'envers, hein. Ouais, là, tout est rétabli, tout est rentré dans l'ordre. On a vu le décollage de l'hélicoptère. C'est important pour tout ce qui est ravitaillement et compagnie d'avoir ce partenariat avec l'hélico de Corse Hélicoptère. C'est essentiel. Sinon, la course ne pourrait pas se faire. C'est toujours la 11. Hein. Toujours la 11, oui. Que je ne loupe pas l'arrivée du 31. On va guetter son arrivée, là. Il devrait plus tarder. Tu connais son dossard? Oui. Ah, c'est le numéro? Alors, 10-35. 10-35. Mais et il s'appelle? Il s'appelle Lambert Santé. Normalement. Il est deux. Lambert, je ne sais plus d'où il est, je crois qu'il est de Balagne, je crois. Mais lui aussi, c'est un professionnel de trail, il en fait beaucoup. Oui, c'est très connu dans le milieu du trail. Allez, on va s'approcher. On est juste derrière le couvent d'Alezagne. Les gens me demandent s'ils peuvent venir ici pour participer, pour visiter, pour manger. Oui, vous pouvez venir ici. Oui, bonjour, Yann et Laurent. Et toi, Yann, tu es un coureur ou tu préfères boire un coup? L'un n'empêche pas l'autre, évidemment. On peut très bien se faire plaisir en courant et en se rafraîchissant avec divers boissons. Donc, il n'y a pas de souci, ouais. Gisèle nous dit bravo à la numéro 1, elle est trop jolie, elle est trop forte. Ben oui, bonne chance, bonjour à tous. C'est pour ça qu'elle est numéro 1, tout simplement. Véronique nous fait un coucou, Christophe Delapine, vos directs sont au top, merci Christophe. Chantal nous fait un coucou, Lilou nous fait un coucou, Josepha nous fait un coucou, Forte Salambert nous dit Vanina. Corinne nous fait un coucou, en direct l'arrivée de Jean-Philippe.
Je sais pas. Il y a Jean-Philippe qui vient de passer, a priori, et on l'a eu. C'est ça, Laurent? Oui. On peut pas connaître tout le monde. Tu veux pas qu'on aille là? Tu veux qu'on... On va faire un bout de chemin. Moi, je suis sûr que... Parcours. Tiens, alors, regarde, je vais te remettre... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas eu le t-shirt de... Le t-shirt des bénévoles de la course, voilà, je te l'offre. Tu es obligé de tenir le micro à cette distance, hein. Ok, voilà. L'autre main, tu tiens le téléphone. Allez, c'est parti. Ah oui, on va... Est-ce que tu as pris une grande taille ou pas? Alors, j'espère que ça va lui aller. J'espère que ça va lui aller, je lui ai pris du L, mais il me semble que niveau carrure, ça devrait passer. Alors, j'ai mis du blanc parce qu'on m'a forcé à mettre du blanc. On m'a dit, le blanc te va très bien, c'est pour ça que j'étais obligé de mettre du blanc. Bon, le jaune, c'est bien aussi. Le jaune, ça me mincie. Ça te rend beaucoup plus... C'est toujours la 11. Hein. Toujours la 11, oui. Or, les gens disent la petite boucle, oui. Mais 11 km, surtout oui. Qu'on m'a dit qu'il y avait 2-3 km au début qui étaient un peu assez costaud. Un peu costaud. Il y a 3-4 km de montée, et ensuite ça descend. Et ensuite on remonte. Allez, vous êtes presque arrivés. Courage. Ça parle pas beaucoup un coureur, hein, sur non, l'arrivée. Un coureur sur l'arrivée, il vaut mieux pas trop lui parler, ouais. On va continuer à s'approcher de la zone par laquelle tous les coureurs arrivent. Le premier de la 30, c'est le monsieur en... Le monsieur en 10-35. Avec le dossard. Dossard 10-35, il s'appelle, son prénom? Lambert Santé, on le suit. Allez, on le suit. On est en direct sur la page Facebook de Vias Daily. Il vous reste 100 mètres. Comment vous vous sentez? Impeccable. Impeccable. Même pas, il souffre. Comment tu fais? Un pied devant l'autre. On le laisse quand même. Même s'il arrive à parler, on le laisse reprendre un peu son souffle. Terrible. 3h29 à la louche, c'est ça? C'est ça, ouais. Comment on se sent? Tu as tout donné? Je suis parti fort. J'ai fait la première partie jusqu'à Arcarotte avec un très bon rythme. Et après, j'ai levé un peu le pied sur la deuxième partie. Voilà. Pendant que l'hélico est en train d'atterrir, on va le laisser juste se poser pour qu'au niveau du son, on t'entende. Tu es parti en tête directement? Oui, je suis de suite parti. J'ai voulu mettre un peu de rythme pour voir si ça allait suivre derrière Jean-François, Fred, les tout favoris. Ça. Ils n'ont pas accroché. Bon, après, j'ai gardé un rythme seul, toute la première montée. Ouais, j'étais seul tout le temps. C'est dur? Non, après, moi j'aime bien. Après, il y en a qui ont du mal, mais moi j'aime bien. Je prends mon rythme et je suis plus à l'aise comme ça que quand je subis derrière quelqu'un. Donc c'est bon pour moi. Voilà. Tu attaques fort, ensuite tu relâches un peu. Voilà, j'ai relâché un peu sur la fin. J'ai une course importante dans 20 jours. Là. Alors, tu es en train ça de me dire que tu n'as pas tout donné parce que tu penses déjà à la course dans 20 jours. Tu sais, une descente, une cheville, c'est vite arrivé. Donc voilà. Tu gères un peu, tu fais tes descentes bien, mais sans trop te mettre dedans, ouais, sans trop prendre de risques. Un peu comme contre les États-Unis avant la Russie. C'est-à-dire tu joues, mais un peu plus calme. Grosse difficulté de ce trail par rapport à d'autres? La grosse difficulté, moi j'ai trouvé la deuxième descente, elle est vraiment cassante, elle est raide, et tu t'es déjà pris plus de 2000 de dénivelé dans les jambes. Et là, donc, c'est quoi, les genoux qui tapent? La descente, ouais, ben, un peu tout. Hein. Après, voilà, il faut essayer de se concentrer, de rester souple, d'arriver à faire des petites foulées et d'être le plus économe possible. Le parcours bien nettoyé, fais attention, il y a Paul Simon derrière, dis oui. Hein. Celui qui dit non, là, il faut le tuer. Non, ils ont fait un travail extraordinaire. Merci. Balisage au top, du monde sur le parcours, ça c'est génial. Il y avait une ambiance à l'avant-dernier ravito, là, à la petite chapelle, c'était génial. Non, c'était vraiment un top. L'organisation, je pense que c'est des jeunes, c'est des jeunes et tout, ils aiment ça, ça se voit, ça se ressent. Bah toi aussi, ça se voit, ça se ressent, tu aimes ça, merci. Et puis restaure-toi un peu, ça va? Oui, ça fait plaisir d'entendre ces mots. C'est aussi pour ça que vous organisez cette course? Bien sûr, c'est le rapport, tout ce qui est humain, tout ça. C'est faire vivre sa région, voilà, entretenir ça, ouais. Les sentiers, parce que les sentiers que vous entretenez, quand on vient au village l'été, on peut les prendre. On peut toujours s'en servir, évidemment, ouais. On peut toujours s'en servir. On va faire un tour à l'intérieur parce que moi... Je vais vous présenter l'équipe du buffet, par exemple. Parce que, justement, il y a là
Hop. C'est pour les coureurs. Bon, mais c'est pas grave. On a couru nous aussi. On a fait 50 mètres avec le gagnant. On a fait un petit bout de chemin. On a des représentants internationaux de. On a des Italiens et des Allemands, ouais, c'est ça, ouais. Sur la 11, hein, c'était. C'était sur la 11, oui, en effet. Vous avez plein de messages, il faudra regarder, hein. Ouais, ouais. On m'a demandé votre 06, je ne me suis pas permis de le donner. Les gens, franchement, bon, demandez le numéro de portable de la demoiselle qui a gagné. C'est une honte. C'est un peu abusé. Ouais. Bon, alors, l'inscription, c'est combien? L'inscription, pour l'an prochain. C'est 30 euros sur la grande et 20 euros sur la 12 km. Et avec ça, vous avez droit au buffet gratuit. Voilà, regardez ce que vous avez. Il y a quelqu'un qui nous a dit, c'est le plus gros trail de Corse, et pour le parcours, et pour le buffet. Alors bon. Bon, pour le buffet, on ne va pas se vanter, c'est vrai qu'on a la meilleure charcuterie. Ça, on va pas le... Elle vient d'où ? Elle vient forcément de la région, il y en a un peu de chez tout le monde. Voilà, là on peut même saluer notre ami Charlie Ottavi qui nous a offert cet homme. Voilà. Ça lui et on dit bonjour à l'équipe parce qu'on parlait de la partie administrative, les inscriptions, ouais. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé de tout le débroussaillage, c'est important. Mais il y a aussi des gens comme ça qui viennent pour une autre organisation, ce qu'il y a autour de la course. Ouais, c'est important de leur rendre hommage. Alors il y a Betty. Letty, il y a Betty, pardon. Betty. Xavier. Et José. Voilà. Voilà. C'est les personnes qui sont en charge du buffet. Ouais. Voilà. Entre autres. Combien de bénévoles? 120 bénévoles recensés en tout sur le parcours, bon. Et sur le site. Ça comprend tout, c'est-à-dire ceux qui ont nettoyé, voilà. Ceux qui ont organisé, ouais. Enregistré, encadré, voilà. Tout ça. Voilà, c'est un chiffre approximatif. Mais... Alors, on continue. Excusez-moi, je suis obligé de dire bonjour à nos... Oh, j'ai pris un peu de retard. Ouais. Alors, Forza Lambert, nous dit Vanina. Ben oui, il a gagné. Corinne Baca nous fait un coucou en direct de l'arrivée. Hélène, depuis les... Oui, on l'a vu. Bonne chance, Manu. Oui. Séverine, Manu. D'accord, bonne chance Manu, Séverine. Ali Lambert, on t'attend, il est arrivé entre temps. Coucou, nous dit Antoinette. Alice, de l'Office du Tourisme de Costa Verde, ah. Nous dit un nos bravo. Partenaires. C'est vrai. On avait travaillé aussi avec eux, l'Office du Tourisme, ouais. de Costa Verde. C'est des gens qui se bougent, ouais. Et qui aiment leur région, oui, et qui, oui, la, oui, connaissent. Et c'est, oui, toujours agréable de faire des choses en partenariat avec eux. Ouais. Mouraccio, le super organisateur, bravo aux coureurs. Bravo Lambert, nous dit Noélie. Quidditch, nous dit Lambert, bravo. Bravo, bravo. Allez, Jean-François, à toi. Jean-François Autain, sûrement. Sûrement. Oui. Lambert, le champion, nous dit Gisèle. Oui. Philippe nous dit super. Oui. Pascal, allez, nous dit le top. Bravo pour ce direct. Un peu de bruit. Ouais. Bravo pour ce direct et pour les bénévoles depuis Mougins. Et Gisèle nous fait aussi un coucou. Numéro 1 est arrivé. Est-ce que le numéro 2 c'est aussi. C'est ici, on ne fait pas comme ça. Hein. Alors, puisqu'il y a quelqu'un qui se charge des annonces, on va aller l'embêter. Hein. Tu as un micro, c'est comme si j'en avais un autre. Le premier, Lambert, ça y est. Ça y est. Le deuxième. Le deuxième, au pointage d'Arcarotte, c'était Jean-François Autain, du Running Club de Fouriagne aussi. Parce qu'il y a justement quelqu'un qui a dit, allez Jean-François, à toi. Donc, ici. Oui, alors on suppose que c'est Jean-François Autain. Et il est là dans combien, Jean-François? Alors là, on ne sait pas du tout. Là, hein. Ça ne devrait pas trop tarder. Lambert quand même. Lui a mis un peu, oui, d'avance quand même. Il a mis un peu d'avance. Lambert était en pleine forme. Lambert, il a réussi à parler sur les 100 derniers mètres. Incroyable. Et il a dit qu'il était sur la retenue parce que dans 20 jours, il y a une autre course importante. Ces gens ne sont pas faits comme nous. Les choses soient bien claires. Non, il faut aller le voir alors pour voir un peu ce que ça va donner. Parce ils sont surhumains. Ouais. C'est qui ? Ça, c'est... Non, c'est de la 11. Hein, toujours la marche. Toujours. Il y a des gens de la 31 qui sont passés avant ceux de la 12, qui ont réussi à les doubler. Exactement. Paul Simon. Ouais. Alors, moi, on devait faire un coucou aux gens qui ont travaillé, qui sont au PC course enfermés. Alors, je ne sais pas, malheureusement, je crois que le réseau ne passe pas en montant là-haut. Ça se passe... ici ? Ça se passe à l'étage, oui. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent ? On tente quand même ? Comme vous voulez. Est-ce que tu te sens de monter en courant ? Ou alors on essaye ? Allez, on essaye. Allez, et au pire, si ça coupe, on reprend derrière. Allez. Parce que l'organisation de la course, c'est aussi des gens que vous voyez pratiquement jamais, qui sont cachés dans des bureaux, avec des talkies, avec des cibis, avec des téléphones,
autant en profiter si on peut pour essayer de les remercier en direct, parce qu'eux aussi, ils ont tout donné. Alors, le passage compliqué au niveau du réseau, c'est là. Vous êtes dans le couvent d'Alezagne. On y va. Si ça passe jusque-là, écoute, pour l'instant, ça passe. Il faut me le confirmer. Hein. C'est David, il m'a dit, si tu ne montes pas à rendre hommage en direct aux gens du PC, tu ne remontes plus dans ta région. Ah, j'ai compris. Ben voilà, vous vous posez des questions, savoir comment ça se passe, l'organisation d'une course. C'est peut-être nous qui perturbons. C'est peut-être nous qui perturbons les trucs, voilà. Les prénoms des gens qui sont là? Alors, il y a Simon-Pierre et Sébastien là-bas. Et leur rôle? Leur rôle, c'est... Donc, lui, c'est le directeur du PC Course. Et donc, il le supplie pour gérer les communications, tout ça. En gros, c'est ici que sont centralisées toutes les informations. C'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est... S'il y a un souci, c'est ici qu'on sait et qu'on prend les décisions. Voilà, c'est ça. Tout transite par ici. Et là, on parlait de David, ça tombe bien, il est en train de parler. Exactement. Voilà, on avait parlé, ben voyez, on a en direct l'information, on a su tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait eu un petit accident aussi, et voilà, l'information est là, tout va bien, voilà. Ben, les accidents, on va essayer de passer dans l'autre sens. Tu es prêt, Laurent? On voulait pas vous embêter plus que ça, on voulait juste vous rendre hommage, parce que c'est aussi grâce à vous que les courses se passent bien. Voilà. Ben, là, ça rigole pas. Hein. Allez. Vous êtes dans le couvent. Et là, avant, il y avait des cellules tout le long. C'est-à-dire toute l'allée, là, en fait. Toute l'allée, là. Toute l'allée, c'était des cellules. Ouais. Ouais, ouais. On les avait visitées il n'y a pas très, très, très longtemps. Mais tu sais avec qui on avait fait la visite? Avec le pauvre Père Olive. Ah, d'accord, oui. Qui était venu. Avez visité l'étage aussi, donc. Et tout l'étage, d'accord. Mais à l'époque, c'était encore en réaménagement. Il y avait des projets de faire des gîtes, de faire des choses. C'est toujours d'actualité et ça devrait se faire, je pense, dès que les fonds seront levés. Donc, je ne sais pas quand, parce qu'après, c'est les soucis de paperasse, de dossier, tout ça. Donc, après, ça devrait se faire, normalement. L'association, c'est le trail. Au cours de l'année, c'est d'autres manifestations que vous retrouvez? Pour l'instant, on s'est concentré sur le trail pour essayer de le pérenniser, tout ça. Troisième édition. Et on est parti pour de longues années, si tout va bien. Bah, a priori, les concurrents sont plutôt contents de l'organisation. Oui. On a que des avis favorables pour l'instant. Donc, on peut se féliciter de réussir à avoir organisé trois éditions d'affilée, quoi. Alors, bonjour de Mireille de Marseille et bonne journée. Bonjour Mireille, Forza Thierry, merci Chantal. Salut Roland, à samedi à Aulette. Roland, c'est À Aulette, les organisateurs d'Aulette peut-être. D'accord. Bravo Luc. Oui, le numéro 2 est arrivé? Non, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a toutes les générations qui courent. Donc tu peux aussi toi t'y mettre. Laurent dit, ce qui est intéressant, c'est ce partage transgénérationnel. Ouais. Oui, et qui rajoute, tu vois, tu peux t'y mettre toi aussi, ce commentaire que je relève. Thierry, on nous envoie un lien de la part de Deb Casanova pour Endure Ensemble à suivre attentivement. Brigitte nous fait un coucou. Coucou Roland, nous dit Alizia. L'homme de tous les défis, Thierry Pistorozzi. Pascal, vraiment très impressionnant, bravo aux organisateurs. Je ne cours pas le trail, mais ça donne envie d'en faire. Ah oui. On a les plus beaux trails en Corse, nous dit Pascal. Oui. Et bonne continuation, Yann, j'adore créer, merci. Mais ce n'est pas pour autant que je vais faire le trail. Ouais. On espère que le numéro 2 va arriver, parce qu'on a on a déjà des messages pour lui. Ben, on a le temps, je pense, parce qu'on ne me l'a pas encore annoncé tout près, mais je vais vérifier où il est, je vais demander. L'hélicoptère est déjà reparti, ouais. Il va revenir et ensuite nous on repart avec lui, on ouais. nous a dit. Hein. Ouais, d'accord, j'essaie de négocier, ouais, vous aurez de superbes images. Il faut batailler un peu. Est-ce que tu vas monter avec nous?
Mais je pourrais faire un tour avec vous. Ouais, comme pas. Ça, tu nous montres le parcours vu de, on peut faire le tour du parcours, en effet. Ouais. Il y a Paul Simon qui va monter avec nous dans l'hélicoptère et il va nous montrer le parcours depuis les airs. Impeccable. Vous voyez, comme quoi on n'a pas besoin d'utiliser des logiciels style truc Airs ou même si ça aide de plus en plus. Qui on peut aller voir en attendant que le numéro 2 arrive, 11h58 Là, en attendant, on peut... Tiens, et si on allait, on a parlé des gens qui sont blessés. Je crois qu'il y a le poste santé qui est là-bas. On va aller faire un tour là-bas. Allez, oui, parce qu'eux aussi, ils étaient sur le pont depuis de bonne heure ce matin. Ouais. Et c'est aussi grâce à eux qu'on peut... Il faut passer par là, ils sont là. Venez. Ah, je te suis, pardon. Ouais. Tu veux me faire passer par derrière Mie. Les kinés sont ici, voilà. Et là, c'est le poste de secours. Là, c'est les postes secouristes, oui, c'est les infirmiers. S'il y a de la casse. S'il y a de la casse, c'est le secours. Et là, c'est pour l'entretien. Bonjour. On est en direct, hein. je préfère prévenir. Non, continue, fais comme si on n'était pas là. Les traumatismes à la sortie d'une course comme ça. Et là, pour l'instant, c'est beaucoup d'entorses. Plus d'entorses que le reste. Bon. Mais ça dépend, des petites lésions musculaires, on a un peu de tout, mais bon. Majorité, c'est les entorses. En plus, le terrain est cassant, du coup, ça fait qu'on a pas mal d'inflammation aux chevilles. Bon, en conclusion, là, le professionnel nous dit ça va passer avec le glaçon ou... Ouais, enfin, là, lui, c'est une entorse qui... Il revient d'une entorse, donc il va falloir renforcer. Là, après la course glacée, anti-inflammatoire, et après, il faudra renforcer bien la cheville pour que les muscles tiennent la cheville. Bon, voilà. On va le laisser travailler. Courage, hein. Faites attention avec les entorses. Et puis, puisqu'on est de ce côté, on va jusqu'au poste de secours, parce que c'est eux qui ont soigné tout à l'heure notre ami. Ben tiens. Ah, je suis obligé. Ah, je suis obligé. Voilà, c'est le monsieur qui nous a fait stresser ce matin. On était en direct et on nous a dit, il y a un monsieur qui est blessé, bouné. Bouné. Alors, au niveau médical, bouné, c'est pas super précis, mais on sentait que la personne était très impressionnée. Bon, finalement, oui. Oui, ça oui. va, c'est bon. Mais ça saignait beaucoup. Un peu. Non, ça saignait beaucoup. Ouais. Là, on a changé deux fois de t-shirt depuis. Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, et même, faut balancer. Ouais, je suis tombé, c'est tout. Il paraît que c'est une branche qui vous a croisé la route. Non, non, c'est un pas arbre. Une branche. Non, c'est un arbre. Mais vous regardiez où? Vous nous avez fait peur. Non, ça va, c'est ça bon. Va allez, c'est bon. Allez, bonne journée. Là. Mais il a quand même réussi à venir ici. Bon, franchement, vu le sourire qu'il a, ça va. Oui, hein, oui. On ne va pas s'inquiéter. Mais ce matin, aller. Il nous a fait peur. Voilà. Et en fait, quand il est arrivé, ben, il est arrivé ici, au premier secours. Ils ne savent pas qu'on va les embêter, les premiers secours, mais... Pardon, oui, bonjour. Bonjour, ça va? Bien, et vous? Ça va, tranquille. Hein. On est en direct. Ah, parfait. Voilà. Donc là, ça c'est hop là, le monsieur qu'on vient de voir. C'est vous qui l'avez accueilli ici? C'est vous qui accueillez les gens qui se blessent? Voilà, après on dirige en fonction de l'état. De la gravité. Si, exactement. Alors, ce matin, on disait, on ouais. a eu peur, ouais. parce qu'il y avait beaucoup de sang. Ouais. Le monsieur, c'est vous qui l'avez reçu ici. Tout à il fait. A d'abord reçu, on va le dire, par une infirmière Exactement. Qui s'appelle... Aucune idée, mais qui a fait les premiers soins. Une super infirmière qui est voilà. du village de Pirigage, qui a fait les premiers soins. En fait, c'était juste une petite blessure. Qu'est-ce qu'on a eu comme voilà. blessure embêtante? On a vu des entorses. On a vu surtout des entorses, une plaie à la tête. Là. Ensuite, je vais vous dire la liste. Hein, ah, ben on a la liste, voilà. Des petites plaies au niveau... Entorse, plaie voilà. au front, c'est le monsieur Exactement. Qu'on a vu, c'est Emile. Et sur les jambes. Et voilà, plaie au genou, parce que un monsieur était tombé. Nettoyage de plaies, plus PST, c'est... Pansement, PST. Voilà. Bon, ça se passe bien. Oui. Bon. Oui, oui. Et vous, on m'a dit que l'année prochaine, vous faisiez partie de la course. On va essayer. Voilà, ça c'est fait. Tu as une engagée de plus pour l'an prochain. Quand on organise ce type de... C'est la 11 Non. Jules-Louis Antoni, originaire de Tarn. Ah mais c'est pas notre village, on ne parle non. pas. Oh, Jules, allô. Jules, on est en direct. Ça va? C'est dur, hein. Tu as fait là? La 12. La 12. Ah ben. Il y a des types de la 31 qui t'ont doublé. Je sais, j'ai vu Lambert. Lambert, un extraterrestre. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, un extraterrestre. C'est ça, un extraterrestre. Le début? Enfin, le début, tout début, ça le va? Début, ça va. La première montée? Après, la montée. Après, j'ai géré mon rythme. Et puis, c'est la dernière, en fait. Hein. Et la dernière qui casse la un dernière, peu. La dernière, c'est casse, hein. Parce qu'on a tout donné sur la première descente et puis après il faut retirer sur le muscle. Sur la fin.
Bon, tu es content de l'avoir fait? Je suis content, oui. C'est pas la première fois que tu l'as fait? La deuxième fois. Deuxième fois, l'année dernière, combien tu avais fait? Bah, à peu près le même temps. Hein. Non, tu as fait un peu mieux cette un année. Un peu mieux, peut-être. Allez. Tu vois, l'hélico qui arrive, je vais essayer de négocier une place pour. Bon, on va laisser Paul Simon partir pour négocier pour nous l'hélico qui est en train d'arriver. Comment tu sais qu'il arrive? Je l'entends, il n'est pas très loin. Je pense qu'il va en 2:40. Et on va dire. On se fait attaquer. On va aller faire un tour en hélico pour montrer le parcours avec Paul Simon depuis l'hélico. Ben oui, il est en train d'arriver. Tu sais qu'il y a dedans. Le numéro 2 est toujours pas arrivé. On va laisser les. J'essaye de savoir si le numéro 2 est arrivé. De la 31. Jean-François, ah non. Il est là. Il est là. On lui laisse reprendre son souffle. Également son camarade de club. Il franchit la ligne d'arrivée en 3h48 minutes. 10:35, c'était le numéro 1. 10:36, numéro 2. C'est ton collègue qui t'a lâché. Numéro 2 sur ce 31 km. Comment on se sent? Là, on se sent vidé, hein, complètement. Et bah, devant, Lambert, c'était intouchable. Hein. On m'a dit un extraterrestre. Ah, ouais, ouais. Il y a Lambert et nous. Faut parler comme il faut parler. Ça n'empêche, tu as quand même réussi à finir second. Les difficultés, on a parlé de. De montes de descente qui sont un peu cassantes. Ouais, une course qui est très très variante. Donc les crampes. Et puis voilà, on monte le cardio, on redescend, on remonte. On arrive là, on est rincé. Pareil qu'il y a une dernière descente un peu avant l'arrivée là, qui est très pentue, qui fait mal aux genoux. Ouais, mais elles font toutes mal aux genoux. Surtout celle d'Arcarotte, et puis après la dernière aussi. Hein. C'est une très très belle course. Très belle course. Ouais. Alors, on m'a dit bien balisée, bien entretenue, pas eu de danger particulier. Non, un travail remarquable, bien balisé, le ravito ce qu'il fallait, les applaudissements sur tout le parcours. On m'a dit, même à la chapelle, une ambiance de folie. Ah ouais, une ambiance de folie. Alors, j'avais plein de... Tiens, Gisèle. Allez, Jean-Franc, à toi. Il y a eu plein de... Le top, bravo à Lambert, mais on t'attend, Jean-Franc, on t'attend. Ah bah, ça fait plaisir, hein, en tout cas. Connu sur le marché des trails, ouais. Tu en fais combien par an? On va dire connu sur le marché des trails insulaires. Après, bon, sur le continent, je m'exporte pas trop. On va dire une dizaine par an. Voilà, une dizaine. Avec des ultra-trails et des petites courses de 10-15 km. Donc, tout format, quoi. C'est quoi l'idée, après? C'est de continuer au niveau régional ou de, pourquoi pas, de partir plus sur le continent? Non, c'est trop. On est mieux ici. Ben, ici, on a tout ce qu'il faut. Et en fait, bon, le problème, c'est qu'il faut beaucoup de temps libre, il faut s'entraîner et tout. Bon, après, le travail, puis à côté, la passion, le reste, c'est trop de contraintes. Donc voilà, moi, je fais ça au niveau plaisir. Ça marche bien, je continue comme ça. Donc le continent. Non. Voilà. C'est un choix. Juste parce que les deux premiers font partie du même club, tu as une minute pour vendre ton club. C'est le meilleur club du monde. Des trucs faciles, des trucs pas du tout objectifs. Vas-y. Non, bah le Running Club Fouriane, c'est un club déjà familial. Quand on y va, on s'y sent bien. C'est carré, c'est bien encadré. Voilà, ils font des choses bien. Ils font des voyages sur le continent, ils font de la course à pied sur route, en montagne. Il y en a pour tout le monde. Voilà, moi je. Et un gros merci à Gérard Tchekari pour tout ce qu'il fait. Voilà, c'est simple. Merci, la prochaine? Ouais, la prochaine. Trail de la mémoire peut-être, route, allez. Ouais, trail de la mémoire, mais surtout je pense l'ultra trail de Corse. Après, ouais. Entre-temps, on verra. On fait un coucou à Loïc Colonna et à tous les. Oui, bah oui, les vrais de vrais, ceux-là. C'est vrai qu'on sera sûrement avec eux durant le trail de la Resto, les gars. Une féminine, le 11 ou le 31? Oh. J'en peux plus. Allez, juste un mot, on est en direct, profites-en. En direct, putain. Super course. Voilà. Pas fatigué du tout. Pas du tout. En pleine forme. Recommencer. Le prochain, ça sera? Je sais pas. Laurent, c'est pas gentil quand même, elle était bien fatiguée. On a eu les deux premiers. Il y a Francky Cathy qui dit bravo Jean-François.
Il y a Gisèle qui dit c'est notre chouchou. Il y a Andrea qui dit bravo. Il y a Jean-Baptiste qui dit bravo. Il y a Bravo qui dit... Vanina dit bravo. Où est-ce qu'il est parti? Faudrait peut-être que... Il est parti? On lui dit tous les bravos? Ah, il est parti là-bas. Il est en train d'essayer de reprendre vie. On va aller l'embêter vite fait. Alors... Je suis obligé de dire tous les bravos qu'il a reçus, sinon... Il y a Gisèle, voilà notre Jean-François, un grand bravo. Vanina, bravo, Jean... bravo Jean-François. Ça va ? Je me suis régalé, mais c'était dur. Hein. Ah oui. Il y a... Allez-y, continue. Il y a Amber qui a imprimé un gros rythme. Ah ouais, c'est un monstre, Amber, c'est intouchable. Ouais. Moi, je suis content. Moi. Ouais, belle course, j'ai vu que ça s'est bien passé. Il y avait un beau plateau aujourd'hui. Très beau plateau, hein. Ouais, nickel. Il y avait un gros plateau, hein, avec Fred Calier, Acosta, Moinard. Franchement, c'était beau à voir. Ouais. Impeccable. On se voit tout à l'heure ? Oui, avec plaisir. Allez, merci. Alors, moi, je suis là juste pour les bisous, les coucous. Alors, Gisèle qui fait des bisous. Francky Cathy, bravo Jean-François. Gisèle qui dit c'est notre chouchou. Jean-Baptiste Terranov qui dit bravo Jean-François. André qui te fait des bisous. Est-ce que Maxime Bertrand est là ? Non, il n'est pas là. Non, Nicole, Maxime Bertrand n'est pas là. Ouais. Et je suis sûr que tu as ta page Facebook. Ouais, moi je suis pas là. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenu là sur les réseaux. Ça fait plaisir de voir ça à l'arrivée. Hein. Voilà. Ben, si vous voulez, il a sa page Facebook. Le club a sa page. Le club, Running Club Fouillagne, voilà. Il faut aller aimer. Voilà, vous allez aimer leur page et vous en profitez pour suivre la nôtre. Est-ce que c'est Paul Simon là-bas? On va aller dire au revoir à David, à Paul Simon. Ben, on va récupérer David. Ça y est? Écoute, Kitché. Ça va? Tu commences à descendre un peu? Ah, tout va bien pour moi. Hein. Tout va bien. Hein. On a fait l'arrivée de la 11. Ouais. On a fait l'arrivée de la 31. Ouais. On a fait la première féminine. Ouais. Moi, je pense qu'il nous manque que l'hélicoptère. Eh hein. Oui, mais en plus, on a un équipage royal. Tu sais qu'on va leur donner une nationalité à Lijanin, quoi, ceux-là. Les deux, là. Alors, tous les ans, on a le même équipage. On est content de les avoir parce que franchement, ils font vraiment du bon boulot. Et donc, comme ça, on va monter les voir un peu, tiens. Important, je disais tout à l'heure, et Paul Simon, d'avoir ce soutien hélico pour... Ouais, important. Attends, je dois répondre au téléphone une seconde. Ah, c'est David, il doit toujours être à fond, mais là, il commence à redescendre. Tout à l'heure, il était totalement intouchable. Maintenant, il commence à relâcher un peu la pression, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une pression. Si tu vois que... Non, il faut te relier. Je te fais relier dans un quart d'heure, 20 minutes. C'est bon? Allez. C'est bon, allez, ciao. Bon, donc, pour en revenir à nous, donc je te présente Antoine. Antoine qui est parti. Antoine. Antoine. Antoine, oui. Allez-toi. Scape pas. Donc, Antoine Rossi, de la société Corse Hélicoptère. Rossini. Comme il paraît que vous avez demandé la nationalité à Lijanin. Je pense acheter une maison, oui, parce que depuis qu'on est tout le temps là, donc il va falloir qu'on achète une maison un jour, hein. Pas possible. Votre rôle, on le disait, important, vous faites, vous déposez, vous reprenez, vous récupérez aussi les poubelles dans la nacelle. Charges, oui, enfin, et puis s'il y a un gros problème, un vrai problème, accident, on est là. Et surtout puis, le pilote, hein, parce que bon, moi je le pilote, on va aller le voir. Et il paraît qu'on va pouvoir peut-être négocier pour qu'il nous emmène faire un tour du parcours en hélicoptère pour Viasté. Là. Alors là, déjà, il est en train de compter les heures qu'on a passées, tu vois. Il facturera et je crois l'heure. Que ça va être un peu salé, mais bon. Mais la société hélicoptère, comme voilà. Elle veut se faire adopter par la région, ils vont être obligés de faire un petit prix. Voilà. Le nom du pilote. Bonjour, Alexandre. On est en direct, hein, avant de dire des bêtises. Donc moi, ce que je propose. Parce qu'on aimerait bien voir le parcours, on a fait les arrivées, on a fait les gagnants, on a fait la gagnante. Mais on voudrait voir le parcours vu du haut. Moi, je voudrais juste me mettre un peu comme ça et filmer d'en haut. Très bien. Dans ce cas-là, je vais vous équiper d'un harnais. Ah, tu sais que c'est possible. Moi, je crois que ça m'a gagne. Par contre, ce sera... À charge. Alors, on peut négocier comme on est en train de faire. David, hein. Oui, mais comme on est en train de faire de la pub pour votre société sur Viastel, quelque part... N'étant pas patron, je suis pas maître d'avis. J'aurais essayé, hein. J'aurais essayé, David. Je suis désolé. Donc... Monsieur Sky, aidez-nous, s'il vous plaît. C'est, tous les ans, c'est votre société. Vous venez ici pour être le soutien hélico. Le soutien hélico, qui consiste donc en fait à héliporter des charges pour ravitailler pour les coureurs. Un soutien médical pour blessés légers, hein, bien entendu, en cas de blessé grave, c'est le dragon, tout à fait. Et puis voilà, grosso modo, donc le soutien course. Vous avez 5 secondes pour dire que c'est la plus belle région de Corse.
C'est la plus belle région de Corse. Oui, mais c'est ma région et je fais ce que je veux. Mais il est loin. Parce que lui, il est beaucoup plus bas, c'est pas une vraie. Ah ouais, il y a quelqu'un qui... Je vais aller voir ça. Merci. Vous partez pas de suite? Sérieusement, on a négocié avec nos amis de la Lizanica Trail un petit parcours pour voir. On mettra le harnais et puis comme ça, vous verrez d'en haut. Et puis, vous avez déjà signé pour l'an prochain. Je pense, oui. Bon, merci. Alors, je veux voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Magnifique reportage. Merci. Hélène nous dit merci. Yann nous dit merci. Et Félicia nous fait des bisous. Et Marie-Hélène aussi. Non, il n'y a pas aucun commentaire négatif sur cette superbe région. Tout à fait. Le couvent d'Alezagne, c'est ici qu'on va se dire au revoir pour l'instant. Les coureurs sont arrivés, bientôt le Spountin. Sachez que si vous voulez venir, ben c'est aussi un moment d'échange, de partage. Vous pouvez en profiter pour visiter le couvent. Et il y a de quoi se restaurer sur place. Merci d'avoir été avec nous durant ces directs. On se retrouve, si tout va bien, on sera un peu plus dans le nord. Ça sera cette semaine. Ça sera du côté de Bastia. On va parler de style. On va parler de style, on va parler de création. On sera à création avec, entre autres, tous les créateurs, mais aussi avec Francine Massienne, la marraine de cette manifestation. Vue sur le couvent, vue sur l'arrivée de la troisième édition du Restonica Trail. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt sur France 3 Corse via Style.